Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens juste de rentrer de chez ma fille. C'est un peu la cohue, la cohue, la cohue, mais c'est pas grave. Je viens de recevoir donc les deux derniers courriers que je vais mettre en vidéo actuellement parce que je m'en excuse. Comme vous savez, je suis souvent chez ma fille à ce moment. Je suis juste pour rentrer pour une semaine et je repars. Le temps de faire mes examens médicaux et je repars aussi vite et je m'en vais là jusque le 20 décembre. Donc, ça va être la course. Le tirage se fera le 4 décembre, donc ne vous inquiétez pas, je vais faire le tirage et j'enverrai le tout au gagnant. Donc à l'enfant qui est gagnant et à l'adulte qui est gagnant. Ne vous inquiétez pas, je vais faire ça dans les temps. Il faut que je sois partie pour le 9 décembre. Nous sommes le 2 après-midi, donc c'est cohu, cohu, cohu. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par... Agnès, Agnès qui m'a envoyé sa participation avec, je sais qu'il y a sa petite nièce aussi. Oh là là, de belles, belles, belles choses. Alors, on va commencer peut-être par la petite. Alors, attendez. Alors, elle s'appelle, que je ne dis pas des bêtises. Je vais déjà prendre le courrier d'Agnès. Oh, très jolie carte. Oui. Alors, comment... Ah, Elisa, voilà. Donc, sa petite nièce Elisa de 6 ans a participé avec sa marraine. Ah, ben, c'est bien ça. Non, ma nièce, mon neveu, non, je dis des bêtises avec sa tata. Je dis des bêtises. Ça aurait été sa filleule, sinon. Avec sa tata, bah c'est bien ma chérie. Elle a fait une ATC, voilà. Bah bien sûr qu'elles ont l'air bien magnifiques en tout cas. Attends que je vais regarder tout profondément et minutieusement. T'inquiète pas. Bon, merci ma puce. C'est moi qui s'excuse vraiment du retard. Franchement, je suis vraiment confuse. Je n'ai pas pu te dire si j'avais reçu vraiment bien le courrier. Là, dès que je suis rentrée, je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de déposer mes valises, que je suis vite allée à la boîte à lettres. Voilà, alors je vais vous faire voir tout de suite. On va baisser un peu pour vous faire voir tout ce qu'elles m'ont fait de beau. Regardez un peu. Alors là, nous avons donc la belle carte d'Agnès. Elle est magnifique. Alors là, c'est Hello. Elle a mis des petites fleurs avec des perles, elles sont magnifiques. Ça doit être Action, ça doit être des fleurs d'Action, le dice d'Action, il me semble. Tu me diras si c'est bon ou pas. C'est magnifique, elle a ici collé une petite, un petit ruban. Elle a fait une sorte de napperon en papier. C'est très joli, elle a marqué Hello en argent. Vous voyez, c'est magnifique, le fond, il est beau. Ça, par contre, le fond de papier, je ne sais pas où tu l'as eu. Ça ne me dit rien, peut-être dans des nouveaux... De chez Action, tu me diras, ma poulette. Donc, voyez, la carte de Agnès, elle est magnifique. Je vous passe pas voir comment, les adresses surtout. Alors, on va commencer par la pupuce, qui est Elisa. C'est ça? Elisa. Voilà, pour pas que je ne me trompe. Alors, tu m'en voudras pas que je commence par ta petite nièce, hein, ma chérie? Je suppose que non, hein. Alors, regardez ça un peu. Elle a fait donc, elle m'a dit, elle a fait une ATC. Alors, je vais regarder tout de suite son ATC à Elisa. Les enfants en premier, hein, c'est normal, hein. Les adultes, nous, on peut attendre. Alors, regardez un peu. Oh, qu'elle est jolie! Elle est magnifique! Eh ben, dis donc, pour 6 ans, elle s'est bien débrouillée. Regardez un peu l'ATC. Qu'elle m'a fait, Elisa. Elle en a marqué Elisa, 6 ans, au CP. Elle a mis des petits papillons derrière. Voyez? Et puis, là, elle m'a mis un écureuil. Alors, c'est le thème de l'automne, hein? Comme ça, tata. Regardez, un champignon. Elle a mis des feuilles. Elle a marqué automne. Et là, elle a des petites perles. Voyez, c'est très joli. J'espère. Et là, un hérisson. J'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai plus de micro. Mon micro est cassé, donc c'est pas évident. Alors ça, c'est l'ATC de Elisa. Voilà.
Et oh, c'est magnifique ce que tu m'as fait, Nénette. Oh là 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 là, regardez un peu. Hello. Regardez un peu. Une pochette. Regardez un peu. Waouh. Avec des petits renards. Il est beau le papier. Voyez, regardez. Avec des petites pochettes. Alors, on va voir ce qu'on a dans les petites pochettes. Oh, elle m'a mis joyeux anniversaire. Plein de petits mots de joyeux anniversaire. Bon, merci ma chérie, ça va me servir, hein. T'es gentille ma puce. Et là, ce sont des... Attends, des petites feuilles? Je ne vois pas exactement ce que c'est. C'est couleur or. Alors, on va en enlever un pour que je vois bien. Je vois pas. Ah non, c'est Love! Oh, c'est trop beau! Regardez un peu. C'est Love en argent. Oh, super! Merci ma puce, ça va me servir, dis donc. Waouh, c'est super bien. Super, super, super. Merci ma chérie. Et là, nous avons des petites... Alors, attendez, hein, parce que là, j'enlève tout doucement. Alors, que j'abîme pas, parce que le sachet est tout petit, je ne voudrais pas abîmer. Oh, des petites colombes. Oh, elles sont magnifiques, tes colombes. Et c'est en plastique? Bah oui, c'est en plastique. Comment t'as fait ça, ma poulette? Tu me diras comment tu les as fait. Est-ce que c'est toi ou tu les as achetées comme ça? Tu me diras, hein? D'accord? Agnès? Oh, elles sont magnifiques, tes petites colombes. Oh, c'est super, je te remercie beaucoup. Ça va me servir dans mes créations, ma poulette. Merci, merci, ma puce. Alors, il y a ça, puis elle a regardé un peu. Donc là, ici. Oh, elle m'a fait de jolies fleurs. Elles sont magnifiques en papier. Regardez. Waouh, elle m'a mis des petites perles au centre. Oh, elles sont magnifiques, ma puce. Waouh, trop, trop belles. Oh, super contente, dis donc. Je suis trop 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 contente. Oh, et là, les... Oh là 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 là! Les petites... Oh, dis donc! Des petites enveloppes et tout. Oh, elles sont magnifiques. Regardez un peu. Oh! Waouh! T'as dû y mettre du temps à faire tout ça, ma puce. Oh, ben, c'est gentil. Oh, elle a fait donc les petites enveloppes avec des petits mots, comme si on avait mis une petite carte à l'intérieur. Elle a mis des petits cœurs, des petites perles. Un champignon, un hérisson, encore un champignon avec des feuilles. Oh là là, bah je te remercie beaucoup, ma puce, ça va me servir énormément. Oh, bah dites donc, je suis gâtée là. Waouh! Et là, regardez sa pochette, voyez? Donc, je disais, elle a mis Hello, elle a mis des feuilles. Ici, elle lui a mis une bande de ruban. Ça, je reconnais, c'est d'Action, cela. Peut-être que ça vient d'Action. Ça, je reconnais, ça vient d'Action parce que j'en ai vu un passé, ça. Le reste, je ne sais pas, ça ne dit rien, ça. Ça ne dit rien du tout. C'est magnifique, hein, ce qu'elle a fait. Waouh! Dis donc, je suis gâtée. Je ne peux pas mieux dire. Je suis vraiment gâtée. Alors, j'essaye de mettre ça comme ça pour que vous voyez bien le tout. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Alors, elle m'a fait... Oh! Une Memory Dex. Donc, sur le thème de l'automne, regardez un peu comme il est beau le renard. Oh, c'est magnifique, ma puce. Oh, en tout cas, vous avez bien travaillé toutes les deux. Toi, Elisa et toi, magnifique ce que vous m'avez fait. C'est magnifique. Je te remercie énormément à toutes les deux. Alors, regardez un peu. Là, elle a mis le même ruban ici. Elle a fait un rond. Elle a mis des fleurs, des feuilles avec des petites perles couleur or, elle a marqué automne, et là elle a mis le petit renard en 3D. Oh, c'est magnifique, dis donc. Alors, Memory Dex, son nom, son prénom, l'adresse, oui. Elle est du 8 septembre, Agnès. D'accord. Ah, ton anniversaire est passé, ma poulette. Elle aime le shabby, le vintage, le rose, les gorgeuses. La dentelle, les fleurs, les papillons, les oiseaux et les fées. Ah bah alors ça va, si t'aimes bien les fées, c'est tant mieux ma puce. Bah, en tout cas, merci, merci, c'est trop beau. Trop, trop beau, trop, trop beau, trop, trop beau. Oh, tu m'as gâtée. Et puis en plus, elle m'a donné des serviettes. Regardez ça un peu, comme elles sont magnifiques, ces serviettes. Regardez un peu. Elles sont trop, trop belles.
Oh là 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 là, trop belle. Bah écoute, avec tout ça, je vais pouvoir en refaire des choses. Je te remercie beaucoup, Agnès. Et excuse-moi encore du retard, surtout. Et puis, merci à Elisa. C'est super d'avoir participé. J'espère que vous allez gagner. Je vous souhaite bonne chance à toutes les deux. Gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup encore d'avoir participé. Bisous, bisous. Au revoir. À bientôt.